Jamais qu'à nous laisser me dire que dossier opération dans hôtel envahi hôtel là il commencer à prendre l'autre ampleur, la prend l'autre dimension. Et m'bral dit nous qui ampleur que la prend et qui dimension que la prend. Et comment que ou ensemble de criminels en dedans vivent ensemble, yo même yo réagi après ça rifé dans hôtel envahi. Et pas oublier que selon en pile information prouvé que hôtel envahi ça c'est ancien chef gang 400 Maozo yon c'est pour lui hôtel là bien que c'est Casales Blanco qui lui-même t'a dirigé hôtel là que Casales Blanco lui-même li s'est évadé prison et nous tendez ensemble ça criveo que dans soirée jeudi hein que Casales Blanco monsieur parle encore et que plusieurs policiers tombés dans boucanté coup de zam avec et force de l'audio et policiers sa yo qui mouri dans l'espace envahi hôtel là nèg yo t'a défendre t'a protéger Casales Blanco comprenez bien t'a dit policier yo yo connaît Casales Blanco son équipe à droite son ça qu'il apprend mais yo même qui puisque Casales Blanco et alias Gros Fanfan, lycée Bossio, lycée Patron yo, eh ben nèg yo ap défend Casales Blanco et yo tap vide bal avec policier Utah yo surtout que t'es là. Et c'est dans boucan de coup de zam ça où je n'importe 5 nan nèg yo tombé. Alors même si nèg yo policier Casales Blanco l'autre nèg qui était dans espace qui tombé mouri. Et sans compter l'autre qui blessé et gen qui arrêté. Et j'en te dis, j'en connais déjà, parmi yo, il y a des policiers et il y a des journalistes qui arrêtaient que la police présentait, je n'étais vendredi et 16 décembre 2024. Nan. Pour regarder ça encore, nous pourrons analyser de ça qui est comme évolution notre dossier ça. Désir Venesse, plusieurs milliers moun en steno, yo filé manchette yo, debo, yo campé en bon bois calé. Parce que yo dit que en Steno dans département grand dans pays hein pas qu'un droit qu'un bandi yo pas connait pour l'autre pas et l'autre ville dans commune non mais commune en Steno pardon dans département grand dans pays hein pas qu'un droit qu'un bandi pas qu'un droit qu'un volo et depuis qu'un bandi qu'un volo c'est bois calé à bayo pour me répéter parole moun en Steno yo commissaire Muscané même attaché qui gen moun mouri là-dedans yo et qui c'est bandi qui fait partie de team bandi 103 zombie Muscané campé cercle ça yo et saisi cadavre yo li saisi moi yo ça veut dire Muscané montre que il pas venir jouer il pas venir rien dedans avec bandi armé et désir dans question scandale corruption BNC bagarre là pour l'autre dimension dans semaine qui a venir là. Eh bien, ensemble, parti politique, ou dis-moi est-ce que, ensemble secteur, qui voyait trois représentants, ça y est, en parlant de Smith Augustin, Emmanuel Bertiller, Louis-Gérald Gilles, ils ont pris le sorti de notre public, et pour demander avec trois conseillers, ça y est, retirer quoi dans le conseil, là, parce que, tu as devant, répondre à question enquêteur ULCC, et dossier la devant, autorité judiciaire yo pour capable connait est-ce que impliqué dans scandale 100 millions de goudes que yo mandé avec et ancien président conseil BNC monsieur Raoul Pascal Pierre lui. OK? Qui donc ça prend l'autre dimension. Ça prend l'autre ampleur dans pays. Et je dis en la petit désir situation très compliquée en pliqué soit posé. Sous question, mission commence à arriver avec officier Kenya, yo, nous pourrons regarder ça, yo, nous pourrons analyser yo, et nous pourrons questionner des Ibanez. Très bien, Blaise Peterson, après opération que la police a filmée et dans notre fouille, dans tabac, pour te questionner, en pile monde a pensé d'autres garder question ça, surtout avec journalistes, policiers qui arrivaient arrêter dans quatre dossiers là, et la police baille détails sur ensemble monde qui ont appréhendé, et au baille détails tout, et sur les matériels qui ont joint dans machine qui était dans l'espace là, et ça lui fait objet débat. Gendjef Gaulois, dans Canaran, qui prononçait sous bagaille Banat Daniel là. Gagné Maître Morin,
directeur général radio Regard, parce que l'on t'a présenté Banat Daniel, il t'a présenté comme radio Regard, eh bien Morin lui réagit sous question. Nous va regarder avec amis et internautes qui branche tout partout ensemble réaction qui vient sous question ça. Prison civile dans ville Semak que nous songer dans état d'urgence sécuritaire. Gouvernement décrété à Blaise Peterson, 15 prisonniers mouri, 12 autres sont blessés et 10 autres prisonniers rivés disparaître convent yo gen costume marron sou yo. Personne pas kon kote yo. Quel te responsable APENA, quel te responsable la police pour jusqu'à présent pour ko kabay détail sou ensemble prisonniers sa yo ki sa ka la base évasion si la ki fait dans prison. Et faut que nous rappeler gagnent des policiers qui blessés dans occasion tout Blaise Peterson. Gen vice-délégué arrondissement Saint-Macla, Walter Montas, qui fait quoi ensemble dommage matériel yo dans d'autres la police là, dans archive là, prisonnier détruit, rapiété, quel te d'autres, quel te archive pour qu'on y a, soit chercher archive pour prisonnier dans prison Saint-Macla, la situation la difficile pour jeune ça. Parce que l'État, depuis l'antique d'antan, ces bouts de papier qui ont toujours conservé, yo pas jamais arrangé yo pour yo informatiser ensemble espace important surtout côté yo gen pile papier côté cap calibette, et bien yo senti yo confortable parce que nous gon l'état qui pas propre. Ville Semak levé en attention dans juin vendredi. Et bien modèle situation ça yo qui pratiquement provoqué c'est dans irresponsabilité autorité yo dans l'état parce que responsable des APO t'es déjà annoncé, t'es déjà demandé autorité dans plus haut niveau yo pour augmenter effectif. Autorité Bahamasio, dans ce qui concerne la question de sécurité pour le pays à Blaise Peterson, autorité Bahamasio montre très optimiste sur la question de déploiement tout pio dans le pays d'Haïti dans le cadre de mission sécurité multinationale en dedans pays d'Haïti. Directeur général, ministère Affaires étrangères Bahamasla, nous voulons parler de Jeousa Ali qui te fait une visite évaluation vendredi à dans pays d'Haïti dans Port-au-Prince dans base mission multinationale là et monté très optimiste pour question ça. Est-ce que Kounier nous cap dit question mission si là son jouet ou les débolier son jouet aller vinilier ou jusqu'à présent personne pour clair la donne. Bien sûr personne en pile monde a questionné silence conseiller présidentiel yo devant scandale corruption qui gagne qui épinglé trois conseillers présidentiels qui pratiquement journée jodi an épinglé dans sa corruption nan exige yon directeur ou bien yon président conseil d'administration pour te bayo 100 millions de gouttes. Et bien ensemble nous considéré silence quatre autres conseillers yo et comme non respect en faveur population haïtienne nan. Parce que un scandale pas ka passer qui gen pouwè avec yon institution des valeurs qui constitue des palais national pour jusqu'à présent yon monsieur dame qui rete qui pas épinglé dans question ça. Blaise Peterson, yo pas jamais dit un mot. Quel te président Edgar Leblanc fils, li fait silence et ça a créé yon atmosphère et méfiance et frustration bon côté citoyen en Haïti qui expliquait action qui pas expliquer action concrète bon côté responsable yo dans conseil présidentiel transition pour dire est-ce que yo rive comprendre tout bon prêt que conseil impliqué dans ça qui vient pour avec corruption en dedans conseil là. Est-ce que ont demandé Raoul Pascal l'argent vrai? Est-ce que vous-même vous endossé des massacres qui étaient faits là pour jusqu'à présent, lumière pour capter tout dossier et groupe personnalité éminent car comme yo venir dans le pays. Yo dit nèg yo faut que yo respecte accord 3 avril 2024 là et yo vraiment discuter sur ça qui vient pour avec scandale corruption. Yo dit bagarre la pas carité comme ça Blaise Peterson faut qu'au moins gon bagaille qui fait pas dans et que conseiller ça yo vraiment cassé nèg yo pratiquement plongé dans créatif là autant groupe personnalité éminent CARICOM yo parler sur question ça. Premier ministre docteur et Gariconi lui entendre pour faire préparation dans rencontre important qu'il fait pour question réouverture des classes qui a venir là pendant divers départements ou appelé voir dit l'école pas ca ouvrir là-dedans avec insécurité mais lui-même lui préparer sous subvention avec quantité l'argent que on va débloquer qui capable supporter et ensemble parents qui presque dans tout pays a la situation. Du fait quoi? C'est 2 millions d'élèves qui ont gagné pour supporter, soit dans le livre, avec matériel pour aller à l'école, et regardez 180 000 familles qui ont gagné une subvention, urgence dans sa qui pour avec commencement, réouverture des classes à la situation. Désolé, dans le même dossier, question et insécurité, gagné autorité
autorité américaine yo qui au même té qui montre très optimiste avait dit très été confiant quant à pour déploiement prochain troupes en Haïti par exemple surtout donc on est Bahamas avoir soldats qui va faire partie et mission stabilisation sécurité multinationale en Haïti hein et ben dit qui général ministère affaires étrangères Bahamas là Jehouza Ali lui-même qui était en visite évaluation vendredi qui était 16 d'août là en Haïti. Eh bien, les visiter base, mission multinationale qui, que Kenya a dirigé, c'est Kenya qui a dirigé, et mission ça. Eh bien, selon, dit qui s'est généré en fait étrangère, pays qui est pays Bahamas, non? Il aurait été croyé que, eh bien, non, moi, cap venir là, yo, ap gen de soldats bahaméens, cap débarqué, et cap venir compléter, eh bien, déjà 400 officiers Kenya, yo, qui déjà dans le pays, et qui pral encore augmenter pour permettre que, yo mène des opérations garçon canson, yo mène des opérations musclées, pour capable démanteler, déloger, bandits armés, criminels armés, en dedans et pays, bien que chef mission en Haïti, qui c'est monsieur Godfrey Otonge, monsieur fait qu'on est que, les que officiers soldats fait partie mission pral commencer mener de opération li di bandi vivant ensemble yo pa gen côté ap ka mete ko parce que tellement pral manmen yo et tellement pral frapper au sérieux selon Godfrey Otonge. Ça veut dire que je dis hein, est-ce que nous après étendre jusqu'à ce que effectif 2500 et j'ai dit que tu as fait partie mission hein, pour capable commencer de opération et garçon canson ou si moi est-ce que bah qu'on est ça y attend si c'est maté y attend toujours qui s'appelle qui veut que c'est temps et dit là on pral commencer mes opérations et dit jusqu'à présent que officier Kenya a d'accord que yo pour commencer opération. Officier Kenya d'accord que après déclaration Godfrey Otonge yo poko mener de opération sérieux sinon c'est pas une déclaration pareille que li t'a fait bien que yo souvent dit que nèg yo te dit matériel que yo ba yo pa répondre et matériel que yo gen pa répondre yo pa gen ma là yo pa gen manger yo pa gen ceci yo pa gen cela et ça yo te dit est-ce que on combien mois qui est que officier kenyan yo avec la police nationale d'Haïti pral commencer sa rele opération bien que nous pas besoin qu'on joue qu'on les condamne non d'ailleurs question sécurité ce bagala est là l'état pas qu'à exposer dans la rue l'état pas qu'à exposer dans la rue et pas aucun journaliste tout qui même les qui ont connait qui est et la police a pral mener des opérations dans fièvement dio qui t'a pral camper sur les zones pour t'a dit tel est et la police a mené opération ça n'a jamais fait mais kounya dans combien de temps tout que la police vraiment genre que c'est vraiment commencé bon on dit la police a un gros coup de filet dans hôtel envahi la police a un gros coup de filet c'est vrai mais kounya en on regardé combien le coup de filet la police a fait? C'est vrai dans Gressier, la police toujours présent. C'est vrai la police est présent dans Gressier, mais ça va empêcher que bandits présent dans Gressier. Mais dans bon côté de fief bandits et tout cas des problèmes sérieusement. Je dis hein, population a besoin, c'est dans zone ça yo, c'est dans bloc ça yo pour que la police ou que autorité yo mené de opération. Yo mené de opération sérieux. OK? C'est dans zone ça yo. Pour yo mené opération sérieux. Mais pas oublier quand même, gen kek kou la, gen kek bek, on ka dire comme ça, que la police a fait et gen kek bek que commissaire Muscadet a fait. Je dis hein, moi c'est que peuple a besoin plus que ça et peuple attend plus que ça. Li besoin volonté. Volonté réelle, les besoins, les ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, et on dit ressources en termes d'information pour que, poste de l'audio, les qui ont mené des opérations, les qui ont fait des attaques sérieuses pour que yo capable vraiment joindre vrai cibio qui eux même c'est de principal responsable de situation qui est là, désirée ça. Bon. C'est important que officier kenyan yo prenne responsabilité parce que yo te sans doute évalué ça qui gagne en dedans pays. Yo te connaît qui ça que t'a vénéré. Bon paquet de pays qui fait bac devant mission, les Canada, les États-Unis, mais c'est pas parce que les Canada avec les États-Unis yo pas capable. OK?
Mais on connaît qui ça qui a créé là. C'est pas sans raison qui fait les États-Unis pas gain policier, pas gain officier dans cadre mission ça qui gagne dans pays d'Haïti. C'est clair. Et en pile question à poser, est-ce que Nations Unies paraît pour supporter vraiment une mission si là qui gagne dans pays là? Parce que là regarde ça qui a passé là, blessure sont les amis internautes. Département de défense États-Unis te dit ou gagne 100 vols militaires qu'a fait en dedans pays là. Dans la période que nous disons, avion militaire a volé, avion militaire a descendu. Et vous entendez Edgar Leblanc-Fils qui déclarait pas gagner assez matériel pour monsieur Kenyan qui est dans le pays capable d'opérer. Ok? Qui ça s'adine? Qui ça comprend l'entendez déclaration si là? Godfrey Otunge qui rencontrait avec Cristobal. Dipou qui c'est yon nan représentant OEA dans le pays d'Haïti, li plaide en faveur matériel qui pou vin venir Blaise Peterson pour le capable efficace. Côté, li mande fok gen hélicoptère pour kap pénétrer ensemble base bandiyo qui kap bay résultat sans doute en pile moun Afrikan. Est-ce que niveau corruption qui gen nan mitan conseil présidentiel lan ou bien accusation yo, li pral permettre de pays vin engagé avec le gouvernement qui la? Parce que pas oublier, c'est celle Haïti question et corruption, du principe de champ libre. Parce que ensemble, autorité qui a sorti de l'autre côté, il y a essayé de regarder, il y a fait un pile prudence. Parce que pas voulu prendre un piège, il n'a pas voulu aller rentrer dans le rapport avec M. Damio, qui est dans le conseil présidentiel de transition, non, il a cité dans toute Voxal dans le pays d'Haïti. Premier ministre Guy Koni, pour jusqu'à présent, qui peut coquer. Qui a fait ou le mdebo, n'a fait installation directeur général. Pendant principale mission, yo, c'est organiser élection. Avant élection, yo t'a de ouè question sécuritaire et organiser référendum constitutionnel qui a permis au moins que yo t'a dit que non ça qui a été gagné comme feuille de route dans accord politique 3 avril 2024 là, yo t'a respecté. Est-ce que nous, M. Damien Soupran, pour respecter bagaille comme ça? Au contraire, nous cap constater. C'est un véritable temps passé que M. Damio a fait pour permettre les arrivées dans le fond pour venir dire Blaise Peterson, amis internautes, peuple haïtien, il n'y a pas difficile pour eux, ils pas qu'à respecter le délai que l'accord a été fixé pour faire élection dans le pays. C'est ça que M. a arrangé pour faire là. Et déjà, pas qu'on essaye pas, c'est pas erreur. Premier ministre, Dr. Guy Koni, déjà dit, il paraît impossible pour respecter sa accord politique là-dedans. Et moi-même, avec Blaise Peterson, c'est des bagages qu'on nous prédit, c'est des bagages qu'on nous prévoit, parce que nous t'ai imaginé que ça a privé. Pour quantité de temps, M. Damsa a déjà fait perdu. Depuis 4 premiers mois, ça y est, c'est 4 premiers mois qui perdu. Ou pas vraiment, ouais, rien qui planifie vrai. Si vous imaginez octobre cap vine là, cap gal gagné, duel entre M. Damio. Ok? Parce que vous parlez de présidence tournante, notre conseil présidentiel de transition. Et vous jouez qu'à planifier là pour permettre c'est Edgar Leblanc-Fils qui kembe tête conseil là pour jusqu'à ce que la transition soit finie. Et c'est là qu'elle a tout crasé. Et conseil là, ça s'est crasé déjà. Depuis notre question scandale, corruption. Ok? Et ensemble, avancer qu'à PC dont on fait là, chercher intérêt pour groupe qui te voyé dans le conseil présidentiel de transition, côté M. Damio. Mais. Groupe personnalité éminent carré comme yo, mandé démission pour monsieur retirer koyo pour la justice poursuivre yo, OK, sous question corruption qui planait sous yo, eh bien pour monsieur quitter nèg yo a mandé gros l'argent mais des sous corruption que nèg yo a plongé. Est-ce que les ont rentré dans le conseil là, yo t'es payé pour yo t'es rentré? Mais non, pas quoi que yo t'es payé, mais kounia yo dit c'est payé sorti lié frère, yo pas ka rentrer, yo pas ka dans l'état miel et puis voit mandé pour yo sorti pour yo quitter. C'est payé sorti lié, sous pas payé ou pas sorti. Et automatiquement, 3 personnes qui ont sorti dans le conseil de Blaise Peterson, son conseil qui s'en s'est caduque, son conseil qui s'en s'est écrasé. Parce que, si vous avez besoin de faire vote, vous n'avez pas besoin de majorité. OK? Parce que, vous tous, c'est 5 sur 7. Et en pile, dans les gens, monsieur, dame, qui étaient sous silence, l'autre 6 personnes qui étaient sous silence, qui n'ont pas dit rien, sous 9 conseillers, Blaise Peterson, c'est parce que, y a géré ça qui n'est pas avec pouvoir que vous gagnez. Vous connaissez, vous tranché. Si vous avez dit la justice, prend responsabilité dans la question, hein? Eh bien, vous connaissez, il y a pratiquement crasé le conseil là. Il y a joué mi-fig, mi-re, c'est. Et peuple haïtien comprend très bien, si jouet cap joué là,
et yo dit que yo pa pran la dan. C'est pour ça ou après diverses organisations, diverses associations, diverses acteurs, on est dans pays a déjà levé voix et prend position pour mander et pour démission et trois conseillers si là yo qui gagne yo dans scandale. Et ou après, yo tout temps dit ça, même tout temps de grand moun a dit voler pas jan mort, c'est famille voler qui toujours honte. Ou après nèg yo avec sourire sous visage malgré qu'aucune chaîne accusation qui a pesé sous de yo. Malgré étranger a questionné question. Malgré étranger rentrant dans pays a pour venir garder question corruption que nèg yo accusé. Malheureusement, nèg yo refusé comprendre pour prendre disposition pour yo mettre au disponible pour la justice tande yo dans quatre dossiers corruption si la respiration qui paraît extrêmement difficile et qui quand même bloqué question processus tout engagement qui gen rapport avec économie, qui gen rapport avec politique de grande envergure que tout l'autre pays ta cap prend avec Haïti qui a connaît une situation très difficile qui dont impasse qui difficile en pile avec question insécurité à baisse vitesse. Bagala clair désir si déjà conseil là il déjà comme si il a créé scandale dans mitan. Mais qui confiance que moun yo va faire avec conseil là dans question élection? Et désir. Si il déjà créé corruption dans conseil là. Et qui on a conseillé qui c'est le général Gilles, dans qui est le président tournant là, c'est le cap dernier président dans tête conseil là, c'est lui-même qui pourrait comme si organiser l'élection. Comment bien ça me dit, hein? Bien que y ait des partis dans le général Gilles qui a fait comprendre que son bataille politique, parce que c'est Gilles, c'est le cap dernier président qui va organiser l'élection. Mais m'bakwe, c'est déjà une bataille politique pour ça. Comment faire comme si tout vie retourne c'est non Gilles et non Esprit Augustin et non Mounsa Kapele cité? Elle dit au papa. Et au papa, on dit mais c'est parce que même vraiment ça a dit de la sévérité liée. Bon, m'a mieux placé pour me connaître est-ce que ça a dit de sévérité ou pas. Et ça fait en pile acteur et même en dit de parti politique, de dirigeant de parti politique qui te voyé ensemble de Mounsa comme représentant yo. Dans le conseil présidentiel, ils ont demandé pour écarter trois personnes. Ils ont demandé pour mettre sous côté et pour que les gens, ensemble avec Raoul Pascal Pierre, lui, qui est président, alors ancien président et conseil BNC, pour qu'ils fassent une confrontation directe, pour qu'ils attendent de l'acquisition okay, que Raoul Pascal Pierre lui portait sous dos. Et c'est devant la justice pour qu'ils répondent à la question ça, pour qu'on ait. Est-ce que yo impliqué? Est-ce que yo t'ai demandé Raoul Pierre lui l'argent vrai? Ou dis-moi est-ce que Raoul Pierre lui a fait mentir sur yo? D'ailleurs, Raoul Pierre lui connaît que bien que même les bagages pays, même les que nous pas quoi faire la loi en Haïti, mais nous connaît clairement que Raoul Pierre lui connaît gen loi sous diffamation et gagner de bagages ou dit si ça dit a pas vérité, la justice, la police capable agir contre vous. Je dis hein, est-ce que c'est nous-mêmes cap apprendre que soit Raoul Pierre lui ou dis-moi est-ce que ensemble de conseillers ça yo que un monde qui peut accusation sous de yo exactement mais ça qu'a tombé comme ça sous de yo je dis amblé que ensemble de tout qui gagne yo ensemble de ça qui plane yo que concerné yo que acteur yo même y a répondre question devant instance concernée parce que gen UCREF gen ULCC gen la Cour des comptes. C'est de instances, de la justice, de instances qu'il a, qui pour capable tendre, et dans le cas qui gagne de bagages, qui dit que, eh bien, en termes de scandale, en termes de révélation, en termes d'accusation, tout ça, yo. Mais, Kounia, comment un ensemble de acteurs, un ensemble de dirigeants, partis politiques, yo même qui te signe, yo même qui te voyé, de représentants, yo, dans la question conseil, ça là, comment yo est ça? Et qui ça vous dit des événements? Bon, c'est que, sous point ça, nous allons venir avec Onecte Kouklaïens Renoir, qui fait partie collectif 4 janvier, et qui gagne représentant dans le conseil, qui c'est Edgar Leblanc-Fils, ok? Edgar Leblanc-Fils, c'est représentant du conseil et collectif 4 janvier. Eh bien, nous allons regarder et attendre qui ça exactement, qui dit, bon côté Clarence Kounoa, en bas pour tout, mais quand même, on partit dans une interview que t'es avec Wendell Théodore dans l'émission Le Point sur Radio Télé Métropole. Comment que yo même, yo ouais,
en dit comportement conseiller yo et comportement chef gouvernement qui c'est Gaye Conil par rapport avec ça qui a passé dans pays là et ça que yo t'ai dit ça que yo t'ai dit yo t'ai prend comme engagement dans accord 3 avril là bien que jusqu'à présent accord 3 avril là pour que j'aime publier jusqu'à présent accord 3 avril là les beaucoup j'aime publier qui ça fait beaucoup j'aime publier c'est des questions qu'on a posé des Ibanez on en venir avec et quand que j'en dis hein et puis n'a regardé avec de l'autre acteur en termes de réaction. C'est un pays qui fait face à beaucoup de problèmes. Un gouvernement qui arrive dans les conditions que nous connaissons ne peut pas tout changer en 100 jours. Cependant, il peut donner le ton. Maintenant, dans ce bilan, ce que je peux remarquer, ce qui est le plus frappant, c'est les questions de corruption. C'est aussi ce que je pourrais appeler un tâtonnement que le pays constate, que les autorités tâtonnent. Les autorités hésitent. Il y a des mesures à prendre, mais on entend beaucoup de discours, beaucoup de shows médiatiques, hein, une sorte de politique spectacle, mais on ne voit pas suffisamment d'action, effectivement. Mais je crois qu'il est encore tôt, même si nous ne tirons pas de bilan véritablement, mais il y a beaucoup de choses à faire et on peut en parler un peu plus tard, si vous voulez. Et vous n'êtes pas de cette catégorie qui déjà appelle à la démission de l'équipe gouvernementale. Vous pensez qu'ils ont encore droit à une deuxième chance, ou bien quand même à une chance pour continuer le travail initié, si le travail a été initié, Clarence Honoré? Non, je pense que nous devons en tout rechercher une certaine stabilité. Évidemment, si on peut faire des considérations concernant la composition du Conseil présidentiel, notamment avec le scandale des affaires que vous connaissez, le scandale économique, on en reviendra aussi. Mais on ne peut pas changer comme ça. Après 3 mois, changer un gouvernement, mettre un autre, changer de formule. Je crois que cette formule a été une formule audacieuse. Il fallait tenter quelque chose. Et moi, je referais le même choix. Parce que je crois qu'il faut apprendre aux Haïtiens à inculquer cette culture politique aux Haïtiens, la culture politique qui veut que nous soyons capables de travailler ensemble. Ça, c'est un bagage que nous parlons, mais fait, travailler ensemble. Donc, je crois que c'était une formule risqué, avec ces risques, on en voit aujourd'hui les conséquences, il faut ne pas la tête nous mentir, mais ça vaut le coup de chercher à mettre les Haïtiens ensemble. Why did no one tell Delaware drivers about... Voilà, Clarence Conil a essayé de montrer que c'était un processus qui était vraiment risqué, désir. Il était risqué parce que, sous qui base, parce que chaque mec était 9 monde de 9 secteurs différents, et qui va gagner même intérêt et qui va sortir dans de même chapelle politique et bah elle a vraiment compliqué des événements. Madame Assé. Bon, l'étape difficile et moi rejoindre Clarence en ce sens songez que nous toujours gagne position ça depuis là que il a parlé des conseils présidentiels. Imaginez un président ou bien noter tout à fait exemple ça nous dit yon cartel municipal qui a dans élection. Tous les trois, moun yo fait campagne ensemble. Pour résultat élection fin bay, moun yo mette comme maire titulaire ou bien comme maire principal là, li ramasse cartel li pou kontre li, li presque pas bay pièce droit avec l'autre membre, l'autre maire assesseur. Je dis, pas qu'à dire, ou venir avec une question conseil présidentiel, qui gen 9 membres là-dedans, 7 là-dedans ou gen droit de vote, et puis gen 2 par droit de vote. Ouais, depuis là, li gen yon discrimination, et nan mitam, malheureusement, et des membres qui parlent de droit de vote, ils ont été comme c'est observer, ils ont été observer, c'est garder, ils ont été garder. Et je dis, il y a monsieur, dame, ça, qui pratiquement dans l'observation de la situation, ils n'ont pas fait travail. Parce que si en pile fois que vous tendez, ou pratiquement dans l'observation, vous tendez la rue, clamer public, accuser ensemble membres du conseil là, dans ça qui vient pour avec corruption, nous pas dit rien. Ça veut dire que chaque monde a arrangé, il a fait ce qu'il a fait pas. Oui, c'était une initiative risquée. Qui a continué à risquer pour jusqu'à présent, pas des gens qui ont récolté les bagages de cette personne pour ne pas avoir de problème, pour résoudre le problème qui est dans le pays. Pas des gens qui ont pris une situation, ça, de retourner à la normale. Ou pas avec ça qu'a fait là?
ensemble des structures ou bien partis politiques qui gagne dans le conseil présidentiel là, c'est divisé à diviser ou pas ouais, et organisation politique ou bien parti politique petite des salines, il presque écrasé en miettes monso. C'est militants qui a levé contre militants et autant de Maurice Jean Charles déjà fait acheter costume, penser que t'as pas le magistrat Port-au-Prince et puis sortant de là pour jusqu'à présent, il y a pris le Maurice Jean Charles dans téléphone Maurice pas prendre téléphone pasteur. Pasteur a mauvais en pile, pasteur a fâché, parce qu'elles sont des grands gars, ils sont qui sont toujours dans le mouvement. Yo. Mais je dis, hein, Moïse, blié, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, collectivité territoriale qu'il gagne, c'est le ministère agricole qu'il gagne. Il était capable de mettre pasteur qu'il pral mettre non bac qui c'est bureau agricole communal, yo, ou bien il pral mettre non direction départementale qui est liée avec le ministère de l'Agriculture. OK? Négatif de tout comprendre. Que monsieur pas gagne rien de sérieux qu'il t'a fait ou pas Père Amos qui ça nèg fait Père Amos parce que Père Amos a défend en question d'intégrité quand dans parti nèg ça pas ta Père Amos que dit Père Amos pas gagne droit dans ville faire conférence qui arrache micro devant bouche Père Amos que dit pas gagne droit venir faire conférence dans petite des salines parce que Père Amos qui veut comprendre lui-même il t'a doué à protéger intégrité comme monde moral parce que lui ouais monsieur Damio a mêlé nos paquets de bagaille au côté attendez que ministère l'agriculture vend pour combien millions Moïse Gant acheté gros caille il dit la protéger la personne d'autre garder et le rejoindre monsieur qui dans et opposition plurielle qui dans la rue il chita avec yo. Li gade avec yo ça cause que plus ma honte sous donnèg qui gen l'état miel cap couler pour yo dans quatre gouvernements qui gen là et nous doit comprendre bataille qui éclaté déjà qui déclaré en conseiller présidentiel yo à quatre docteur Gary Conny te tout dit pas gen pièce côté que bagarre ça privé yo tout que conseiller yo prend en faux blanc son blanc bon cathédrale qui relé monsieur qui dit yo voter à l'unanimité Gary Conny. Ben, n'est-ce fait votre là? Ou vin senti, après l'année, ou vin kwe, vin wè ke ou pren nan faux blanc, même Jean, Moïse Jean Charles de pren nan faux blanc, le boule de vin nan conseil là. Le ou vin rive comprenne ça, li déjà trop tard. Parce que Gary Conny, comme on neg, et en plus le monde kap gade qui humble, qui sage, la palé, la vie sous ça. Et toute patience que moun ou moun yo gen la belle personne, c'est vis-à-vis avec question sagesse, Gary Conny gagne, j'en la pote message yo, moun yo gont, et on ti espoir. Bless mon garanti ou. Yo pas prendre trop de temps pour abser à péter, pour l'obéir péter dans le pays, jusqu'à ce que moun yo jwenn sécurité, jusqu'à ce que moun yo jwenn et possibilité pour travail, pour sortir dans le chômage qui retrouve la bless façon. Gen yon l'autre acteur qui c'est Magali Komodeni, qui c'est ancien ministre qui est communication, c'est Mbatropem, et qui c'est un membre responsable équipe Aqua Montana, et qui est représentant dans le conseil, qui c'est Fritz Alphonse Jean. Magali Komodeni, tout le même qui était invité dans l'émission Le Point avec Rondel Théodore, et sous Radio Télé Métropole. Li même tout, li dit mo parle et qui ça le dit? Qui ça le dit d'abord de conseil là? Ben pas oublier moi que gagé toi en Akassis, li reproche à quoi Montana parce que c'est à quoi Montana qui devine avec ba 7 têtes ça sous papier et yo même été adhéré avec équipe à quoi Montana. Donc je dis hein, si ça te va bien, tu as bien félicitations pour à quoi Montana, mais comme ça va aller mal, je dis à gagner des reproches qu'a fait sur équipe à quoi Montana. Eh bien, entendez exactement qui ça Magali Komodeni lui-même dit et en sont ensemble question ça qu'a passé là yo et nous même n'a fait réaction par nos désirs. Très bien. Vrai. C'est plus que vrai. Et nous revendiquer, nous assumer que formule d'une présidence collégiale nous fait proposition hein, en décembre 2021. Décembre 2021. Absolument. Mais pour qui ça? Pour qui ça te fait? Parce que nous t'es déjà ouais crise pouvoir, crise tendance autocratique et mounio sous pouvoir. Nous t'es ouais nécessité d'un consensus entre différentes force vive de la nation, nous avons ouais, nécessité pour plusieurs entités, plusieurs représentants de la société civile, vin prendre engagement dans l'État. Et dans une période, côté nous sommes passés vraiment et des difficultés énormes avec le pouvoir qui est en place, il était important que nous ne pas concentrer le pouvoir dans les mains du monde.
qui n'a pas passé dans l'élection, etc., que c'était vraiment le produit d'un consensus. Mm-hmm. Et donc, oui, Montana a fait proposition, hein, comme on dit en décembre 2021, et nous avons fait proposition d'un collège présidentiel de 5 membres et qui était une forte prédominance de la société civile là-dedans. Il y a tout mécanisme de fonctionnement qui était disponible, qui était paré. Et là, en janvier 2022, nous fait une élection au second degré en Montana. Nous avons élu un monde qui pourrait participer dans le collège présidentiel là. Nous avons déjà une proposition de collège présidentiel là avant même les élections. En la personne de Fritz Alphonse. En la personne de Fritz Alphonse. OK. Est-ce que nous satisfaits? Bien sûr que non. Bien sûr que non, que nous pas satisfaits de gouvernance là, de gens là fonctionner, de résultats, de absence de préoccupation pour souffrance nous. Mais c'est pas formule là qui est problème. C'est ça, m'a dit, est-ce que problème? C'est pas formule là qui est problème. Est-ce que cette formule là, bien sûr, formule ça, c'est pas formule accord Montana. D'ailleurs, ou sorti dans 5, ou al nan 9, ce qui rend, bien sûr, cohésion et cohérence plus difficile à 9. Donc, si vous le dites trop, c'est difficile, ça veut dire que c'est difficile quand même. Exactement, exactement. Mm-hmm. C'est à utiliser un préfixe. Mm-hmm. C'est pas seulement, c'est pas en question de quantité. Mm-hmm. C'est pas en question de quantité. If you have a 7. Bon, il y a une question de quantité, mais c'est une question de qui s'accueille, madame. Bon, ça veut dire qualité, c'est pas quantité, c'est qualité. Ouais, formule, hein. Formule, nous te gagne, hein. C'est ça, m'abdou, que je dis, hein. Moun yo baba pays a réglé. Peut-être que quelqu'un doit monter qui a fond baba pays, peut-être que OK, il a fait ci, il a fait ça, mais au fond pas saldé. Blaise, yo pas de chance avec pays. Exactement. Mm-hmm. Pays est construit ça avec moun qui moun qui capable, moun qui connaît et pas avec petiteur adoté voler des chepilles dilapidateur. Non, on pas comme hypothéquer avenir n'importe environ 12 millions moun non pays non. 9 grain moun qui là comme conseiller présidentiel. Mettez avec, ma connaît 14 ministres ou bien 15, 18 ministres, ma connaît ça, oui, là. Et mettez avec chaîne commande de la police, non. Et la vie environ 12 millions haïtiens, non, mais oui. Mm-hmm. Oui, c'est la vie environ 12 millions haïtiens qui vivent en Haïti, non, mais oui. Et sans compter 1 million l'autre qui vivent à l'étranger, dans divers pays à l'étranger. Qui, non, mais oui. Et où est, au jour le jour, qui a bêtisé et a enterré espoir si la qui vivent en Haïti, yo, et a découragé ça qui à l'étranger pour pas entrer en Haïti. On dit bagarre la clé. C'est pas seulement, c'est pas en question de quantité. Mm-hmm. C'est pas en question de quantité. C'est gens les constituer. Mm-hmm. Comment acteurs ils ont choisi pour aller participer là-dedans et ces représentants, ces mounes qui l'aient. Mm-hmm. Mais c'est pas la formule. C'est pas la formule. Et m'pral bour, là, même je veux dire, dans l'état catastrophique. Gouvernement ça a dirigé pays, formule l'en préserve nous un paquet de bagages, et toi, où est-ce là? Par exemple, il y a des gens dans le conseil là, bien sûr, qui ont une velléité pour le président, pour assurer présidence, transition pendant les 2 ans. C'est des gens qui mêlent là à tout scandale que a dénoncé dans le pays. Qui sa bagaille ou pas marché? Qui sa fait? Dis lui ou gen problème et puis y a prend la rue. C'est parce que y a en pile, oui. Ou bien c'est pas parce que vous faites trop vite tout? Parce que y a en pile. Chaque monde gen ti réseau parle. Et donc, pour jouer un consensus pour y aller dans seul réseau, vous venez retrouver yon conflit. Consensus en a cherché, mais quantité monde qui l'a fait que vous pas qu'à jouer. En tout cas, monopole que tu as besoin de jouer pour régler une série de barrières qui a foiré. En tout cas, il y a des gens qui sont étonnés le fait que le conseil en ligne pour éclater. Dans le sens, dans la mesure où toujours il y a des problèmes, nous ne sommes pas jamais capables de vivre entre nous. Expérience Mériot, autant dit,
en plus, moi, qu'on servi de ça, d'expérience mairie à trois, les cartels à trois, pour dire que ça va jamais fonctionner. Mais jusqu'à présent, on nous dit que, en fait, s'il faut rendre le crédit à Montana, on a dit que l'expérience collégiale là, l'Ikembe, dans le sens que, pourquoi qu'on goumé entre conseillers? On est d'accord. On est d'accord. Pourquoi qu'on goumé, qu'on l'autre problème, mais pourquoi qu'on goumé, et Dieu seul sait s'il va y en avoir. C'est pour ça que nous, c'est pas formule là qui problème. Problème, c'est nous-mêmes, moun. Problème là, c'est moun qui en dedans yo, et c'est volonté yo, engagement yo, pour venir servir pays. Maintenant, comment qu'on résout un bagage comme ça? Et nous, les CARICOM, c'est CARICOM qui fait arbitrage, qui va former ça. Depuis le fait là, dans la discussion, nous questionnons la viabilité de la formule. Mais nous faisons bagaille. Nous faisons accord 3 avril là pour rendre le processus là viable. Mm-hmm. Et c'est accord 3 avril là qui vient by cadre de fonctionnement transition qui by grande ligne qui by mission qui by vision qui définit rôle chaque monde rôle chaque branche de l'exécutif et qui by principe qui pour diriger transition. Donc qui gens pour résoudre bagaille ça gon grande solution. Mm-hmm. C'est rentrer dans le cadre accord 3 avril là. Mm-hmm. Rentrer dans le cadre accord 3 avril là, c'est pas seulement à le publier dans le moniteur, non? Parce c'est que là pour un engagement, second minimum d'éthique, pas plus aussi, hein, ou à respecter. Bon, ça nous remarquer, donc le fait que nous avons exigé publication, nous pas fait nous illusion non plus. Que c'est pas publication hein, qui peut assurer respect à quoi là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais bon bagay qui certain. Moun yo vin là des secteurs mandatés yo premier bagay yo fait son coup d'état yo bay à quoi là. Yo font coup d'état contre l'accord du 3 avril, yo font coup d'état contre les secteurs. Et coup d'état ça c'est pas seulement contre la lettre du 3 avril. Yo fait contre l'esprit. Ça nous relie nom accord là. Nom transition. Qui c'est ça que tout le monde a véhiculé depuis, durant 3 années, ça aucune table bataille là, qui c'est l'esprit de consensus. Et consensus là, si nous violons esprit ça, quelle que soit formule ou bien là, ou pas besoin aucune solution. Est-ce qu'on peut déjà sauver les meubles? Aïe. What is? Aïe. C'est là, c'est pas ça, bombe là. Mais il y a plein, hein, frère. Il y a plein de sérieux, là. Ah oui, bon, formule n'a pas marché. Formule n'a pas marché. Ça veut pas que vous m'avez entré conseiller, mais formule n'a pas marché. Ou ça, c'est bon, on blocage quelque part. Et dès qu'on met déjà les yeux, vous là, on dit, vous m'avez. Il y a plus vite goumé avec PM, non, ou les conseillers à conseiller, ou les goumé. Donc, il y a préservé parce que en pile, le monde était déjà prévu à ça dans les commencements. Aucune solution. Est-ce qu'on peut déjà sauver les meubles? Et nous avons obligation. Nous avons obligation goumé pour redresser ça qu'a fait là. C'est nécessaire d'ailleurs qu'avec un autre secteur, le collectif 30 janvier, représenté par l'agronome Jean-André Victor, que Montana, si on lettre conjointe, a conseil là, pour faire yon ressaisir, inviter à ressaisir, et mettez-le disponible, pour discuter. Parce que c'est ça nous qu'on fait, et c'est ça pays en besoin, et c'est peut-être ça pays en pas fait assez. On a discuté de modalités pour arriver non seulement avec les secteurs impliqués dans la transition, mais avec d'autres secteurs de la société qui pas nancien accord là, avec d'autres personnalités qui pas nancien accord 3 avril là,
pour nous voir qui sien nous a sauvé transition. Parce que côté nous est là, nous pas sur route rien. Madame Magali, comment donner pour qui ça nous pas de passer par représentant direct nous, Fritz Alphonse Jean, et que nous sommes obligés d'écrire au conseil directement. Non, parce que c'est affaire pays n'a parlé. Oui, mais c'est votre représentant. N'a parlé ou affaire pays. Affaire pays n'a parlé. Nous pas dans personnalité encore. Nous pas dans individu encore. Nous pas un représentant. Pas nous qui c'est seul ça qui préoccupe. C'est transition qui préoccupe. Et comme c'est transition qui préoccupe, nous écrit à la personne qui fait office de coordonnateur du conseil, qui est le président du conseil de transition, M. Edgar Leblanc. Accord Montana, pas au pouvoir. C'est l'accord du 3 avril qui est au pouvoir. Et accord Montana fait partie de l'accord du 3 avril. Accord Montana goumé en pile pour arriver à l'accord 3 avril. Là. Et c'est accord ça qui s'est lié nous, relation nous à pouvoir ça. Ça veut dire qui ça? En dehors de l'accord là, laissons l'autre projet politique qui a mené et qui a mené de manière autonome. Nous pas gain responsabilité face à cet autre projet que exécutif ça a mené là. Faut que nous clair sur ça. C'est dans le cadre d'accord 3 avril là. C'est accord 3 avril là. La respecter. Mécanisme que nous te prévois pour mobiliser société là. Nous te mettez en œuvre. Et puis pendant y a implémenté accord là. Résultat accord là pas bon. La vine devant nation, hein. Nous toutes qui te signé accord, hein, nous pote responsabilité hein, pour nous dire OK. Nous gan lettre font proposition qui pas approprié. Nous prenons responsabilité à assumer que nous te font un projet qui pas bon. Mais là, ça qu'a fait là pas gain rien pour ouais avec accord 3 avril là. Et si n'a goumé pour que grand respect de accord là et que l'y publier dans le moniteur pour que nation emparer approprié le document, c'est parce que justement nous mettez là l'écart et que en tant que citoyen comme nous pensons, c'est ça qui cadre là, c'est ça qui explique que au côté il y a ou pas de passer dans l'élection, il oublier ça. Est-ce que selon même transition sage en annonçant la diriger tout droit vers un échec en raison de tout ce qu'on dit là, est-ce que c'est ça nous devons attendre? Ou dit diriger vers un échec, oui. Ou bien il est déjà dans situation. Non, parce que le bonheur est toujours. Le bonheur est toujours, mais attention. On ne peut pas gagner 100 jours, véritablement. Le bonheur est toujours, mais attention. Transition en grande durée courte et il y avait des actions fortes qu'il fallait prendre immédiatement et qui étaient possibles. Mais nous ne pouvons pas le dire si. Nous ne pouvons pas le faire si. Hein. Nous ne pouvons pas des prophètes de malheur. Nous voulons affirmatif. Nous dit et nous font appel aux forces vives de la société pour accompagner nous dans l'exigence ça de redressement de fonctionnement exécutif là. Vous marquez bien dit exécutif là, exécutif bicéphale là, parce que le fait que CPA pas dans ligne accord 3 avril là, c'est lui-même qui mettait et premier ministre tout et premier ministre tout non fonctionnement pas dans ligne accord 3 avril là. Elle dit des autres tout à capitale lésien. Des autres tout à capitale. Nous constatons. Tout le monde constatait c'est des autres total. Mais bien et c'est je vais être intelligent ça que je vais tout blaise. Ou après que monsieur Damio pas entendre publier accord 3 avril 2024 là pour permettre que grand public là ait connaissance de lui. Il y a pas égal et après ça c'est je vais coquin je vais mettre dame là qui a continué faire. Bien parti de regarder la des bien d'ap kebel trop c'est parti côté que gagner et ambassadeur Edmond Bouchit qui parlait concernant émission hein. Moi c'est Fanon Gagnon qui parti là dans les questions sécurité. Bon, madame Bonham, parce que c'est une observation de tout haïtien qui a visé, et tout le monde qui a vu que
plus de deux ans après la demande du gouvernement haïtien pour mobiliser une force multinationale et pour venir aider la police nationale à faire face à la situation de grand banditisme ça et même jusqu'à dire une situation de terrorisme. Parce que il y a des actions qu'on a posées, c'est des actions terroristes et je dois qualifier comme telles. Et en dépit de toutes les forces aériennes, et jusqu'à présent, regardez, nous avons une première phase de la mission qui arrivait, il ne faut jamais pas, mais déjà il y a un fonds disponible, déjà il y a des équipements disponibles, il a fait des déploiements rapides, et de octobre 2023 à nos jours, il a déjà là. Nous avons un environnement qui est beaucoup plus sécurisé. Mm-hmm. Moi, tout est. On est allé? Oui, et moi, je vais regarder ça là, je vais regarder par exemple l'ouverture des classes qui est fixée au première semaine du mois d'octobre. On va demander est-ce que tout le monde va tourner l'école encore? Est-ce qu'on va être toujours l'autre année, on va aller bâcler encore? Toutes sont ces questions qui m'ont dit, par exemple, en transition qu'il a, est-ce que nous avons offert peut-être nos luxes là, pour nous faire une transition ça encore pour nous aller l'autre? Bon, c'est que nous avons ton devoir pour nous mettre par cœur, pour nous voir dans quelle mesure autorité avec partenaires internationaux. Considérer ça et voir comment nous devons adopter une approche ça, qui ont une approche beaucoup plus rapide. Et nous sommes certains que si nous sommes déjà là et nous avons un environnement sécurisé, nous avons un environnement qui est différent de ça. Mm-hmm. Et c'est une force non-onusienne. Tu as parlé de qui n'a pays, c'est-à-dire en partie. Et vous pensez, ambassadeur, Bouchit, qu'une force onusienne est capable de beaucoup plus efficace, c'est ça? Bien sûr, même là. Et certainement, il y a toujours des critiques qui disent, bon, écoutez, nous avons fait déjà l'expérience des Nations Unies. Oui, nous faisons l'expérience des forces onusiennes qui va aider des résultats, je crois, à 100%, mais qui étaient en présence, qui étaient là, qui étaient en quelque sorte aidés, et les autorités haïtiennes continuent tout ça, n'est rien, vraiment dit tout ça. Mais avec force non onusienne, ça, au moins, il y a un plus gros problème, c'est le volume de financement. Mon fonds fiduciaire qui est créé, qui était prévu à peu près de $600 millions, même pas quoi, il y a plus que moitié qui est disponible. C'est-à-dire, un aspect pensé, par exemple, en force onusienne, où tu as besoin de certains États qui étaient beaucoup plus aptes, plus rapides à contribuer, tant en force militaire, en troupes, tant en contribution financière. C'est pour une des raisons, et tu apprends ça, parce que la force onusienne, les casques bleus, c'est déploiement immédiat, pas un déploiement par phase. C'est déploiement immédiat et le budget des Nations Unies gagne montant pour ça, pour le maintien de la paix. Mm-hmm. C'est pour l'une des raisons que j'estime qu'il est beaucoup plus important. Après expérience, ça, près de un an après, lors de la paragraphe 19 résolution, les 10 secrétaires généraux, là, 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 point pour le faire, yo, à partir de la date de l'adoption de cette résolution, 9 mois après, on va mettre 10 mois, pour le temps, ouais, de quelle mesure, qui ça nous a apporté comme changement, la mission, ou sa transformation. Moi-même, j'ai opté pour sa transformation. Bon, c'est l'état essentiel pour y considérer, pour autorité et partenaires internationaux, considérer à ce fait ça. Mm-hmm. Et si, bon, nous avons opté pour force de sécurité, sur la scène internationale, il va atteindre le résultat escompté, ça peut arriver, il y a besoin de modifier lui ou de transformer. Et ils l'ont dit dans le paragraphe 19. C'est-à-dire, si 10 mois après l'adoption de cette résolution, et ces membres permanents, ils ont rendu compte que ils ont une volonté pour aider les autorités haïtiennes à prendre le contrôle de la sécurité du pays pour créer un environnement pour organiser les élections, et c'est ça l'essentiel, c'est organiser les élections, retourner à Haïti dans le statut d'État démocratique, créer des institutions démocratiques à partir des élections. Mais si on rend compte que l'approche pour ce mécanisme qui a été adopté, il n'y a pas de résultat, nous sommes certains qu'il y a ouvert pour considérer d'autres aspects. Parce que, écoutez, il n'y a pas de voter résolution juste pour te voter. Il y a été voté parce que la cherche un résultat. Mais 10 mois après, il n'y a pas de résultat. Et même, nous voulons que j'aime arriver dans la salle de carré, dans la finalisation
de mise en œuvre des trois phases, ça veut dire que mon problème. C'est mon problème. Et entre-temps, le pays continue de sombrer dans la violence. Donc, il est beaucoup plus puissant. Et maintenant, on va persister avec des actions terroristes. Est-ce que les Nations Unies a continué à regarder l'État d'Haïti comme un membre fondateur qui a glissé des sommes comme ça? Et la situation d'Haïti, maintenant, constitue depuis bien longtemps une menace pour la paix et la sécurité régionale et même internationale. Il est important pour l'autorité haïtienne présenter une situation comme ça. C'est la seule façon qui permet au moins gain la main sur l'aspect sécuritaire et travailler ensemble pour nous mettre en œuvre tout ça que nous mettons comme accord. Là, ça nous est signé pour nous arriver à 7 février 2026, qui c'est l'installation des élus. Parce que c'est là l'objectif que, à partir de tout besoin de ça, le membre permanent du Conseil de sécurité est certainement pour moi. Et pourtant, nous, là, c'est à nous autres Haïtiens pour nous aller chercher et mettez les matrices diplomatiques nous dehors. Parlez avec toutes les diplomates, parlez avec des pays pour nous connaître comment nous faisons. Parce que il y a bon bagage qui est devant nous flagrant. La situation a vu plus grave au jour le jour. Mm-hmm. Eh bien, si tout dépense à regret en fait, maintenant la transformation de cette mission d'assistance en force de paix, je pense que son mécanisme qui te prévoit déjà, je ne sais pas la trop difficile, mm-hmm. sauf une négociation avec certains membres du conseil de sécurité pour arriver à concrétiser un tel objectif. Et il est possible. Là. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as répondu à mon capitaine de là, ambassadeur Bouchut, qui dit, regardez, ou ambassadeur, ou ancien et ministre, et puis là, une fois de plus, il m'a dit faire appel à l'autre force d'occupation, alors que il y a des mondes qui, on dirait des experts dans le domaine de sécurité, qui pensaient, qui estimait que Jodia nous qu'a font on l'autre bagaille, c'est-à-dire la police là moyen l'armée à moyen bon stratégie et puis il y a des bagailles qui capable fait en matière de sécurité, en matière de lutte contre les gangs armés et les pays sans que nous pas fait appel encore avec une force internationale. D'après pour à compatriotes, ça, on va dire, écoutez, on va la questionner patriotisme personne, mais on va le moins questionner patriotisme. Ça, on a dit ça longtemps, pour que ça n'ait pas à appuyer pour l'Hispano, etc. Et profiter pour saluer les policiers nationaux et les membres de la police nationale, des forces armées d'Haïti, qui, en dépit de tout, ils font pile et font. Désir, merci mon frère. On a quoi c'est dans la journée.